Bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 18 août et la tribune des travailleurs numéro 302 vient de paraître. Qui organise le chaos, c'est lui dehors. C'est la une du journal cette semaine. Un journal que nous allons aller diffuser auprès des travailleurs, des militants, des jeunes, partout où les travailleurs, les militants, les jeunes sont partout où ils subissent la politique de ce gouvernement, partout où, sous toutes les formes, ils en expriment le rejet. L'éditorial de la Tribune des travailleurs cette semaine revient sur la situation, c'est le moins qu'on puisse dire, de crise de régime qui existe dans notre pays. Un régime qui ne tient qu'à un fil, celui que ne veulent pas couper les responsables des organisations ouvrières qui, s'ils, sur le plan syndical comme sur le plan politique, le décidaient, prenaient leurs responsabilités, ce régime s'effondrerait et la politique de Macron s'effondrerait, c'est certain. Il y a depuis plusieurs mois un rejet qui s'exprime sous toutes les formes, explique l'éditorial. Cela a commencé à l'hiver 2019-2020 avec les gigantesques manifestations ouvrières et la grève pour le retrait de la contre-réforme des retraites. Il y a eu quelques semaines, quelques mois plus tard, le confinement et puis le confinement a cédé la place à une vague de grève dans les hôpitaux, dans les entreprises, notamment contre les vagues de licenciements qui, sous prétexte de la crise, ont été organisées par le patronat, souvent après avoir touché les milliards que Macron et son gouvernement leur ont mis à disposition. Il y a eu le rejet massif qui s'est exprimé dans les élections départementales et régionales du mois de juin, où le parti présidentiel est apparu comme représentant 3% des électeurs inscrits. Et puis, il y a le rejet massif de Macron qui s'exprime également à travers ces manifestations totalement inédites en plein mois de juillet, en plein mois d'août, indépendamment par ailleurs du caractère souvent équivoque de ces manifestations, sans parler du caractère équivoque de certains de leurs organisateurs. Alors, ce rejet du régime, il est général, expliquons-nous dans l'éditorial, mais il ne suffit pas en lui-même à donner une issue. L'issue ne viendra pas, c'est certain, l'élection présidentielle de 2022 dans le cadre des institutions de la Ve République qui ont vu depuis des dizaines d'années se succéder des présidents et des gouvernements de différentes couleurs politiques pour appliquer la même politique aux ordres des capitalistes. Cette issue, elle ne viendra pas non plus du maintien de la politique de Macron ou d'autres alternatives qui resteraient dans le même cadre. Il faut une issue pour le travailleur confronté au plan de licenciement. Il faut une issue pour ces dizaines, centaines de milliers de salariés qui s'inquiètent de la mise en place prochaine des dispositions de la loi sur le pass prétendument sanitaire qui va aboutir à suspendre leur contrat de travail sans traitement. Il faut une issue pour le lycéen qui est menacé d'éviction des lycées, comme le dit M. Blanquer, s'il ne présente pas son pass sanitaire. Une issue pour ces jeunes qui subissent la précarité et qui risquent de la subir encore plus. Une issue pour les chômeurs qui voient avec angoisse arriver la date du 1er octobre et la mise en place de la contre-réforme de l'assurance chômage. Une issue pour tous les travailleurs qui voient avec inquiétude la situation en Guadeloupe et en Martinique d'un point de vue sanitaire, qui voient avec inquiétude le fait que la politique de destruction des hôpitaux continue alors que l'épidémie continue d'avancer. Et cette issue, il faut le dire, cette issue, elle ne pourra venir que de la rupture. La rupture avec la politique de Macron, la rupture avec la politique qui consiste à distribuer 560 milliards d'euros aux patrons et aux banquiers, donc la confiscation de ces 560 milliards d'euros pour les affecter à des œuvres utiles à la population, les affecter aux hôpitaux, les affecter aux écoles, les affecter aux emplois.
L'interdiction des licenciements, l'abrogation de toutes les contre-réformes, à commencer par la loi sur le prétendu pass sanitaire qui n'a rien de sanitaire, le rétablissement des libertés démocratiques et des conquêtes ouvrières, l'abrogation évidemment des contre-réformes à venir de l'assurance chômage et des retraites, et cela suppose la rupture avec le cadre des institutions de la Ve République, institutions du coup d'État permanent, piétinant la démocratie et aboutissant en permanence à mettre en place la même politique au service du capital. Un premier pas dans cette direction serait que les directions des organisations qui se réclament des travailleurs prennent leurs responsabilités en appelant sur leur propre terrain à organiser la mobilisation, y compris jusqu'à la grève, contre la politique de ce gouvernement. C'est la politique que défend le Parti ouvrier indépendant démocratique. C'est en particulier ce qui était au cœur de la déclaration du Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique qui a été adopté le 19 juillet et dont nous republions des extraits dans ce numéro. Alors, ce numéro de la Tribune des travailleurs, bien entendu, comme chaque semaine, il donne des arguments, il donne des éléments fondés sur les faits, sur la réalité du pass prétendument sanitaire que le gouvernement s'apprête à mettre en œuvre. Un pass qui, comme nous l'avons expliqué, sert d'abord et avant tout à attaquer les droits des travailleurs, qui n'a rien de sanitaire, parce qu'on sait quelle est la politique sanitaire du gouvernement Macron depuis un an et demi. Nous revenons cette semaine sur un certain nombre de points, preuves à l'appui, pour démontrer que ces mesures n'ont strictement rien à voir avec la défense de la santé de la population. Par exemple, sur le fait que ce pass sanitaire, du point de vue des établissements scolaires, va servir à évincer, comme le dit le ministre Blanquer, des milliers et des dizaines et des centaines de milliers d'élèves, les évincer des établissements scolaires et renforcer les inégalités sociales. Ce n'est pas nous qui le disons, mais le président de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Et nous revenons également sur les conséquences de la mise en place de cette loi pour les employés de sécurité sociale, pour les consultations de psychiatrie, à l'assistance publique hôpitaux de Paris, où la mise en place de ce passe aboutit à bafouer toutes les règles en vigueur pour le bon fonctionnement des hôpitaux. De même que nous revenons dans le journal sur l'ensemble des mesures du gouvernement Macron, car le passe sanitaire n'en est qu'un aspect, et en particulier la contre-réforme de l'assurance chômage, la contre-réforme des retraites, qui sont un ensemble de mesures contre les travailleurs de ce gouvernement. Mais également, la Tribune des travailleurs accorde une place importante à une initiative qui est prise dans l'unité, dans le département de la Moselle, par les organisations syndicales CGT, Force ouvrière, Solidaire, au plan départemental, qui, le 19 août, appellent ensemble à la grève et à la manifestation pour le retrait de la loi sur le pass prétendument sanitaire et pour le retrait des contre-réformes de l'assurance chômage et des retraites. Et nous donnons la parole aux organisations qui convoquent cette grève et cette manifestation qui, sur le terrain de la défense des travailleurs, se dressent contre la politique du gouvernement. De même que nous revenons sur la situation absolument catastrophique des hôpitaux en Martinique et en Guadeloupe, en rappelant que c'est l'État français, et en l'occurrence la puissance coloniale, qui est responsable aujourd'hui du désastre sanitaire. Un désastre sanitaire qui est la règle avec la politique qui est menée dans les hôpitaux dans tout l'Hexagone. Et on rappelle dans le journal que tout ceci se passe au moment où les profits capitalistes enregistrent des records absolus qui sont salués par la presse financière, des nouveaux records de profits pour les sociétés du CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus importantes entreprises capitalistes cotées en bourse à Paris, des profits records qui nous rappellent que la lutte de classe n'est pas une idée, mais bien une réalité qui voit d'un côté des milliers de milliards concentrés entre quelques mains de profiteurs et d'exploiteurs, tandis que l'immense majorité subit les coûts et les attaques les plus importants. Et nous revenons également sur la rentrée scolaire. La semaine dernière, une contribution sur les menaces de Blanquer dans les établissements du secondaire. Cette semaine, nous revenons sur la situation dans le primaire, où les déclarations de Blanquer
ne visait certainement pas à mettre en œuvre toute une série de mesures qui seraient pourtant nécessaires dans les établissements scolaires du primaire pour assurer à la fois l'instruction et en même temps la santé des élèves et des personnels. Alors, dans la tribune des travailleurs cette semaine, bien entendu, une large place est accordée à l'actualité internationale. Le terrible drame qui vient de frapper le peuple haïtien avec ce nouveau tremblement de terre, qui est là pour nous rappeler que, bien sûr, les catastrophes naturelles sont, des catastrophes, mais qu'elles sont aggravées par, en l'occurrence à Haïti, les conséquences de décennies de domination et de pillage impérialiste. Également des articles sur les incendies en Grèce, en Algérie, qui, là encore, sont des catastrophes naturelles, mais dont les conséquences sont favorisées et aggravées par toute la politique capitaliste de destruction des services publics, et en Grèce en particulier, les conséquences de 10 ans de plan d'austérité de l'Union européenne. Nous revenons également sur ce scandale qui voit à Hong Kong les autorités chinoises mettre à mort purement et simplement le principal syndicat de Hong Kong, qui est le syndicat des enseignants, les leçons des élections présidentielles au Pérou et bien d'autres thèmes. Mais bien entendu, la Tribune des travailleurs accorde une place importante aux événements qui viennent d'avoir lieu en Afghanistan. Le 15 août, les talibans ont fait leur entrée à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Ils ont fait leur entrée à Kaboul dans un pays qui, depuis 20 ans, est martyrisé par la guerre et l'occupation qu'ont imposé les administrations américaines de Bush, d'Obama, de Trump et de Biden. Les troupes de l'OTAN qui, depuis 20 ans, occupent l'Afghanistan, multiplient on le sait, les attaques contre la population civile, les bombardements, les assassinats. Un pays dans lequel les troupes de l'OTAN se sont parfaitement accordées avec le fait que 80% du territoire était déjà sous le contrôle des talibans et d'autres groupes armés qui terrorisent aussi la population. Et le 15 août, les talibans ont fait leur entrée dans Kaboul. Ils ont fait leur entrée dans Kaboul, en réalité, avec l'accord des dirigeants de l'impérialisme américain qui, après avoir pendant 20 ans occupé et martyrisé l'Afghanistan, ont signé le 29 février 2020 au Qatar un accord avec les représentants des talibans pour leur remettre le pays entre les mains. Et nous rappelons comment, il y a 20 ans, les États-Unis avaient chassé les talibans du pouvoir après les avoir installé au pouvoir en 1996. À l'époque, la secrétaire d'État de Bill Clinton estimait que c'était un moment très positif, et pour cause, nous rappelons dans le journal que les talibans sont une milice qui a été en grande partie formée par les services secrets pakistanais qui n'ont pas beaucoup d'indépendance vis-à-vis de l'administration américaine. C'est ainsi que, de décennie en décennie, le peuple afghan est la victime d'abord et avant tout, des grandes puissances impérialistes. Oui, l'impérialisme est aujourd'hui le principal responsable de la tragédie du peuple afghan, comme nous l'affirmons. Et on a entendu, et le journal revient aussi là-dessus, les déclarations honteuses du président des États-Unis, Biden, expliquant qu'il regrettait la situation et qu'il était particulièrement ému, soi-disant, par le sort des femmes et des fillettes afghanes, mais qu'il assumait ses décisions concernant l'Afghanistan, à savoir de retirer ses troupes dont il a plus besoin aujourd'hui pour préparer une offensive contre la Chine notamment, que en les maintenant à occuper l'Afghanistan. Et également les déclarations honteuses du président Macron qui, s'exprimant le 16 août à la télévision, a expliqué que le principal problème c'était de ne pas subir un afflux de réfugiés. Tout ça après que M. Macron, comme les responsables de l'impérialisme américain, allemand, britannique, aient martyrisé l'Afghanistan, qu'ils aient ouvert les portes de Kaboul aux talibans. Ils ont créé les conditions qui amènent ces images terribles que nous avons vues tous circuler dans le monde entier, de milliers d'Afghans cherchant à fuir Kaboul à l'approche des talibans. Ils ont créé ces conditions et ensuite ils disent qu'il est hors de question d'accueillir les réfugiés qui fuiront la barbarie
qu'ils ont eux-mêmes organisé depuis plus de 20 ans dans ce pays. Alors, la Tribune des travailleurs, à la demande de plusieurs de ses lecteurs, qui ont lu dans notre journal, d'année en année, des comptes rendus envoyés par les militants du mouvement ouvrier démocratique en Afghanistan, car il y a des militants, il y a des organisations ouvrières et démocratiques qui combattent l'occupation de l'OTAN, qui combattent pour le progrès social, qui combattent pour la démocratie, pour la paix. Eh bien, à la demande de nombreux lecteurs de la Tribune des travailleurs, nous avons ouvert un fonds de solidarité avec les militants du mouvement ouvrier démocratique d'Afghanistan, les lecteurs de la Tribune des travailleurs qui souhaitent contribuer à la hauteur de leurs moyens à ce fonds peuvent envoyer leur chèque à la Tribune des travailleurs, qui rendra compte, bien sûr, de l'utilisation de ces fonds que nous mettrons à disposition des militants en Afghanistan qui vont combattre, évidemment, dans des conditions encore plus difficiles qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent. Ce numéro 302 de la Tribune des travailleurs, je le répète, nous allons aller le porter sur les marchés, à la porte des entreprises. Nous allons aller le porter aux travailleurs, aux jeunes, aux porte-à-porte dans les cités populaires, dans les grèves, les rassemblements ouvriers, et aussi partout où les travailleurs cherchent à exprimer leur rejet de la politique de ce gouvernement. C'est l'un des derniers numéros des abonnements d'été. Chaque année, nous faisons une campagne d'abonnement d'été pour assurer la diffusion du journal pendant les mois de juillet et d'août. Donc, nous invitons bien entendu tous ceux qui ont été abonnés, qui sont abonnés pour l'été, s'ils ont été convaincus par la lecture de cet hebdomadaire sans attendre, à reprendre un abonnement en utilisant les différentes formules à leur disposition. Se réabonner pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et pourquoi pas en prélèvement automatique pour 6,50 € par mois, que ce soit en version papier ou en version numérique pour ceux qui le souhaitent, ou une combinaison de ces deux versions. Dès maintenant, nous pouvons et nous devons chercher à étendre cette campagne d'abonnement à tous ceux qui auront besoin de ce journal, un journal qui a comme boussole la lutte de classe, pour aider les travailleurs à prendre leurs propres affaires en main face à ce gouvernement de la réaction la plus noire qui remet en cause toutes les conquêtes sociales et démocratiques que les travailleurs ont arrachées. Donc, nous allons diffuser ce journal, nous allons poursuivre et élargir la campagne d'abonnement à la Tribune des travailleurs et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le numéro 303 de l'ATT. Bonne soirée à tous.